Pascal Unicode. On va voir si c'est une histoire qui se passe bien ou si c'est complicated. Déjà, je vais me présenter moi-même. Donc, je suis consultant indépendant en base de données, spécialisé en PostgreSQL. Ces derniers temps, je fais que du PostgreSQL, d'ailleurs. En quoi ça consiste, expert base de données? Ça consiste à assister les entreprises à mettre en place PostgreSQL, à migrer vers PostgreSQL, à gérer la croissance de données dans le temps, à faire éventuellement des audits hein, de performance, à faire du support niveau 3, ce genre de choses, mettre en place des architectures de réplication, etc., tout ce qui suppose de pas mal connaître PostgreSQL et qui accélère les choses pour les entreprises qui veulent l'utiliser. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai comme projet sur PostgreSQL? Depuis quelques années, depuis la version 9.6 à peu près, j'essaye de contribuer un petit peu. Alors contribuer, ça veut dire aller sur commitfest.postgresql.org et soit soumettre ses propres patchs, ses petites corrections de bugs, soit, et en fait il faut faire les deux d'ailleurs, soit piocher dans ce que proposent les autres et faire de la review de code. Et d'une manière plus générale, ça se passe sur la mailing list pgsql-hackers. Discuter des évolutions, tester les choses, etc. J'ai quelques petits projets sur GitHub, dont une extension qui s'appelle ICUX, qui est en lien direct avec cette présentation, puisque ICU, c'est la bibliothèque Unicode qui est utilisée depuis PostgreSQL 10 par Postgres. J'ai un projet de mail en base de données, et vous pouvez me trouver en ligne. Donc, j'ai un blog que je mets à jour pas très fréquemment. Je suis présent par contre assez fréquemment sur le forum français, francophone, forum.postgresql.fr, où vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez sur Postgres, et en anglais sur Stack Overflow et un peu plus sur dba.stackexchange.com, que je fréquente assez fréquemment aussi. Voilà pour moi. Alors parlons un petit peu d'Unicode. Donc déjà on va resituer qu'est-ce que c'est, des fois que pour ceux qui ne savent pas forcément. C'est un vieux projet, hein, ça a démarré en 88. Et l'idée, c'était d'avoir un jeu de caractères qui permet d'exprimer tous les alphabets du monde, non seulement des alphabets pratiqués actuellement, mais même les anciens alphabets. Là, il y a les hiéroglyphes, par exemple, égyptiens dedans. Donc toutes les langues, c'est ajouter l'idée de mettre des symboles, genre les symboles mathématiques, etc. Ce qui, ça doit être portable sur toutes les plateformes, sur tous les langages. Récemment, Unicode a aussi intégré à sa mission le fait de gérer les emojis. Donc c'est un truc qui est assez important pour que les Android parlent aux iOS, etc. Et que quand on envoie un emoji qui dit quelque chose à l'autre bout, ça comprenne la même chose. Ensuite, Unicode, c'est une organisation, donc c'est un peu une organisation loi de 1901, mais version américaine. Et c'est un consortium, c'est aussi un consortium d'entreprises, donc on voit avec des noms assez prestigieux, qui ont pour objet donc de s'entendre sur un but commun, qui est d'avoir des textes que tout le monde peut lire et écrire et comprendre. Il y a un système de droit de vote, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais disons que c'est non-profit, quoi. C'est ça qui est important. Dès le début des années 90, ça a donné lieu à une norme ISO. Donc la norme ISO, c'est un peu comme le standard Unicode, sauf que c'est beaucoup plus lourd, ça évolue moins souvent. La dernière version, c'est 2020, c'est un pavé de 2800 pages, avec tous les caractères gérés, et ainsi que les encodages. Alors qu'est-ce que c'est que les encodages? C'est le fait de transformer le code d'un caractère en une suite d'octets. PostgreSQL utilise uniquement l'UTF-8, d'autres utilisent beaucoup l'UTF-16, l'UTF-32 c'est quasiment pas utilisé. L'UTF-8 c'est un encodage qu'on appelle multi-octet, c'est-à-dire qu'un caractère peut prendre soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 octets. C'est enfin un standard qui évolue constamment. C'est-à-dire que là, la dernière version est la 15, elle a été publiée l'an dernier. Elle a ajouté plusieurs milliers de caractères, hein. Celle de la mise à jour de l'an dernier, c'est assez considérable. Et puis au total, on en est à un peu plus de 149 000 points de code. Donc les points de code, c'est pas tout à fait des caractères. En fait, souvent,
On dit caractère égal point de code pour simplifier, mais en réalité, les points de code, c'est des numéros, et parfois, ce n'est pas tout à fait des caractères, ce sont des points de code qui influent sur le caractère d'avant, etc. On va voir des exemples. Et 161 scripts, les scripts, c'est des sortes, on va dire, pour simplifier, c'est des sortes d'alphabets, en fait. C'est-à-dire que c'est des manières d'écrire. Donc, c'est absolument énorme. Il y a aussi dans Unicode des documents qui sont assez complexes. Il y a beaucoup de documents qui sont assez complexes à comprendre. Ça constitue en fait, ces annexes constituent des algorithmes qui aident ceux qui implémentent Unicode à le mettre en œuvre. Alors comment ça se passe au niveau de PostgreSQL? Comment ça se passe au niveau d'intégration? Dès le départ, en fait, PostgreSQL s'est dit, nous, on ne va pas gérer ça nous-mêmes. On n'a pas absolument envie de faire ça. Et donc, ça a été délégué à, dans un premier temps, uniquement la libc. Ce qu'on appelle la libc, c'est la bibliothèque qui supporte le langage C. Et donc, en fait, par extension, tout le système, chaque système d'exploitation, généralement, propose une libc avec ses fonctions, parmi lesquelles il y a quelques fonctions pour gérer Unicode. Et puis, depuis la version 10 de PostgreSQL, il y a deux bibliothèques. Il y a libc et ICU, qui veut dire International Component for Unicode, qui est la bibliothèque de référence. Alors, on va voir comment ça se passe avec libc, quel est le lien, en fait, à quel moment Unicode intervient dans PostgreSQL. En fait, c'est dès le départ, dès l'initialisation de l'instance. On a la possibilité de spécifier ce qu'on appelle une locale. Une locale, c'est généralement constitué d'un code de langue, d'un code de région et puis d'un encodage. Alors, encore une fois, pour PostgreSQL, l'encodage, ce sera toujours UTF-8. Et puis, la langue et la région, donc, c'est des codes ISO. FRCA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la langue française telle que pratiquée au Canada. On pourrait avoir FR à la place de CA, on pourrait avoir BE, etc. Il y a plein de codes possibles, CH pour Confédération Helvétique, ainsi de suite. Et donc, on spécifie soit un seul nom local, soit deux, parce qu'il y a deux fonctionnalités pour lesquelles Postgres utilise une locale. On va voir les différences. Et le plus souvent, en fait, quand on initialise un cluster, on spécifie rien du tout, et dans ce cas-là, c'est la langue du système qui est automatiquement prise en compte. Ici, je vous montre un exemple de démarrage sous Ubuntu d'un nouveau cluster Postgres. J'ai donné aucune option, simplement ma variable d'environnement langue pointe sur typiquement ce qu'on fait quand on installe un Linux et qu'on est en environnement français. FR underscore FR, français pratiqué en France. Et il va utiliser ça comme local. Il faut ajouter qu'il y a une exception à l'histoire de prendre un pays, un code région. C'est quand on utilise C ou POSIX. C, ça veut dire de ne faire aucune règle linguistique de tri, ça veut dire d'utiliser les octets, c'est-à-dire que quand il compare deux chaînes de caractères, il regarde les octets de la première et de la deuxième, et dès qu'il y en a un qui diffère, c'est le plus grand des deux qui l'emporte. Et quand on l'utilise C pour l'autre partie qui s'appelle LCC Type, qui est la caractérisation des caractères, ça implique que, en fait, pour lui, il s'intéresse que aux, enfin, il ne connaît que les tout premiers caractères qui correspondent en fait à l'américain plus la ponctuation. Donc LC collet égal C, c'est un choix qui est très intéressant pour Postgres parce que on va voir pourquoi les tris comme ça non linguistiques sont plus rapides. Par contre, LCC type égal C, c'est la préhistoire. Ça veut dire que on peut pas vraiment utiliser les accents. Enfin, on peut les utiliser, mais quand on va demander, par exemple, de mettre en majuscule ou en minuscule, ça ne va pas mettre la lettre majuscule ou minuscule avec les accents, parce que il sait pas ce que c'est. Il faut ajouter que cette histoire de C qui ne connaît pas les accents et ne connaît en fait que très peu de choses, il y a un mouvement en ce moment, il y a une évolution en ce moment qui consiste à créer une nouvelle locale qui s'appelle C.UTF-8. Et qui trie en binaire, mais par contre qui connaît bien tous les caractères Unicode. Et donc, si on prend n'importe quel caractère des 150 000 et on lui demande est-ce que c'est un espace, est-ce que c'est un accent, si c'est un caractère accentué, quel est l'équivalent en majuscule, minuscule, etc. Eh bien, elle sait répondre. Mais comme pour les systèmes Linux, par exemple, pour la GNU/Libc, elle est officiellement supportée que depuis 2022, c'est quand même assez jeune.
Et c'est d'ailleurs l'intégration de cette locale est d'ailleurs en discussion en ce moment même sur les mailing lists Postgres. Et c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer dans l'avenir. Si vous utilisez un système qui date d'avant février 2022, il est possible aussi d'utiliser C.UTF-8, mais c'est une version antérieure qui n'est pas complètement gérée au niveau des tris. Donc personnellement, je la déconseille. Donc, comme je disais, en général, on démarre un cluster Postgres en utilisant tout par défaut. Mais en fait, on va avoir des tris qui vont être un peu plus lents. Donc, il peut être intéressant de spécifier séparément, explicitement et séparément, le collate. Donc, voilà par exemple une spécification qui donne des performances qui sont assez bonnes. On lui dit trier en binaire et on lui dit utiliser C.UTF-8 pour classifier les caractères. On peut voir ici sur deux exemples, en fait, on va instancier un cluster avec la locale FRFRUTF-8, donc un environnement français. C'est en bleu. Et ensuite, on va essayer d'exporter une liste de 2 millions de mots en la triant, donc simplement en faisant select mot from table order by mot. Et on essaye ça avec les trois locales. La locale linguistique FRFR, la locale C.UTF-8, la locale C tout court. Et on peut voir que le tri linguistique, l'export, ou le... Pardon, je ne vous ai pas dit sur la droite, c'est un create index, qui pareil, un tri, mais qui en plus écrit les résultats triés sur disque. Eh bien, on peut voir que le tri linguistique est beaucoup plus lent. Du coup, pourquoi utiliser le tri linguistique ? Eh bien, en fait, on va voir l'influence du tri linguistique. À quoi ça sert d'avoir un tri linguistique ? Sur cet exemple, que j'ai choisi spécialement pour montrer les différences, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le français et le canadien. Eh bien, on peut voir qu'en français, les termes, par exemple, 12 ans et 1-2 ans, est trié à l'inverse en FRFR par rapport à FRCA. Il va complètement les inverser. Il n'y a pas de raison particulière linguistique à ça, hein. C'est des décisions de... Donc ça c'est un test avec la glibc, la libc utilisée généralement avec Linux. Donc ils diffèrent tous, hein. 16 devel et 16 tilde devel ils diffèrent, 1A majuscule minuscule ils diffèrent. La seule qui a une vraie motivation linguistique, c'est la dernière. Parce qu'il y a une règle, je crois que c'est en vieux français, mais donc elle est intégrée dans une locale mais pas l'autre, qui dit que lorsqu'il y a des accents dans une chaîne qui par ailleurs est complètement égale, eh bien on peut soit considérer que c'est la chaîne qui a les accents vers la droite, hein, qui doit être triée en premier. C'est-à-dire on regarde en fait, donc c'est amené en l'occurrence là. En canadien, en fait, amène est devant amener. Amener est deuxième parce que son accent, en fait, va être considéré de la droite à la gauche, alors que du côté FR, on va considérer de la gauche à la droite. Quant à la locale C.UTF-8, est complètement en binaire, donc il n'y a aucune considération linguistique. On a les 1 en premier et le 1-2 ans en premier, tout simplement parce que le tiret, il a un code qui est inférieur au 2, et ainsi de suite. Alors, ça m'amène à une citation que j'aime bien d'un commissaire du projet Postgres qui s'appelle Robert Haas, qui est assez ancienne, qui a plus de 10 ans, et qui disait, donc je traduis en direct, qui disait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui subissent plus ou moins accidentellement en fait la perte de performance, alors c'est implicite, hein, la perte de performance liée au tri linguistique, hein, mais qui en fait sont pas vraiment intéressés au fait que ce soit trié en linguistique ou pas. Si je reviens à la page d'avant, je ne sais pas parmi vous qui est vraiment intéressé par le fait que dans son index amené soit devant amen ou derrière. Généralement, ça n'a absolument aucune importance. De toute façon, quand vous allez chercher l'un des deux, il va le trouver. Et donc, en général, lequel est devant l'autre, c'est pas quelque chose qui nous intéresse plus que ça. Donc, cette histoire de FR versus CA, c'est un exemple, mais c'est très significatif du genre de différence qu'on va trouver dans les tri linguistiques. Alors, je reviens sur l'histoire de LCC Type. LCC Type, ça joue sur quelque chose de complètement différent que les tri.
Ça joue sur les expressions régulières, c'est-à-dire parce que ça va répondre à la question, étant donné un caractère, est-ce que c'est un espace, oui ou non? La mise en majuscule, minuscule, eh bien, quand on va mettre un E minuscule, par exemple, il faut aller chercher le E majuscule, le E majuscule correspondant. Donc ça suppose une connaissance d'Unicode. Donc évidemment, pour les E majuscules et minuscules, c'est assez simple. Mais n'oubliez pas qu'il y a 150 000 caractères dans Unicode et qu'il y a toutes les langues du monde. Donc en fait, il y a des situations qui sont assez complexes, qui nécessitent des tables gigantesques pour faire ces associations. Et enfin, il se trouve que les CSType jouent aussi sur le full text search pour pouvoir découper en fait les mots des phrases. Ensuite, peu importe qu'on se soit positionné sur français, canadien ou n'importe quelle langue du monde, les caractères en fait sont toujours reconnus comme étant les mêmes. Si on se met dans une locale japonaise et qu'on essaye de mettre un terme français en majuscule ou en minuscule, il y arrivera exactement pareil. Ça n'a pas d'influence, contrairement au tri. Donc malheureusement, il se trouve que LCC Type, on pourrait s'imaginer que, étant donné que c'est des codes ISO qu'il y a dans la locale, etc., ben, en fait tout ça c'est pareil sur tous les systèmes. Il se trouve que c'est pas vrai, il se trouve qu'il y a différents systèmes interprètent les choses de manière différente. Donc voici un exemple. Quand on va vérifier qu'un caractère correspond ou pas à un chiffre, donc avec les expressions régulières, c'est anti/d typiquement qu'on va utiliser. Si on demande à Linux avec une glibc, donc une glibc assez récente, et une collation française, mais encore une fois, n'importe quelle collation devrait donner le même résultat. Si donc le 1 en tamul, donc tamul c'est un langage qui est pratiqué en Inde. Alors d'après Wikipédia, maintenant ils utilisent en fait l'alphabet, les chiffres arabes comme la majorité du monde. Mais en fait, il y a quand même dans des anciens textes des chiffres comme ça. Et donc si on demande à GNU/Libc si c'est un chiffre, il dit non. Et pareil avec le 1 qui en fait correspond à Mathematical Sans Serif Digit One, qui est en fait une version avec une calligraphie différente du 1, il va dire ben non, c'est pas un chiffre, alors que FreeBSD, quand on lui pose exactement la même question avec exactement la même locale, le tamil, il va dire ben oui, bien sûr, c'est un chiffre, c'est le chiffre 1 en tamil ou tamul, je crois que les deux se disent. Et concernant le chiffre Mathematical Sans Serif, FreeBSD va dire aussi oui. Bon, en réalité, si vous avez des applications qui font comme ça de la reconnaissance via des expressions régulières, suivant que vous les faites tourner sur un Postgres FreeBSD ou un Postgres Linux, vous n'allez pas forcément obtenir les mêmes résultats, qu'a priori, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait créer donc dans l'instance avec une certaine locale, mais on peut aussi, quand on crée des bases, remplacer en fait ces locales. Donc ça on peut depuis assez longtemps, c'est la version 8 point quelque chose je crois. Au tout début de Postgres, une fois qu'on avait choisi une locale, on était obligé de rester dessus. Et donc simplement si jamais on change de locale, il faut que la nouvelle base soit créée en prenant comme modèle la base usine entre guillemets, celle qui n'a pas le droit d'intégrer des modifications perso. C'est-à-dire c'est template 0. Template 0, c'est la base qui contient uniquement et purement le système PostgreSQL. Et sa particularité par rapport à Unicode, c'est qu'il contient aucun caractère accentué ou autre. Il contient que des caractères de code inférieurs à 128, c'est-à-dire l'anglais de base et la ponctuation de base. Et c'est pour ça que, quel que soit l'encodage ou la locale de la base qu'on crée à partir de template 0, Postgres il va pouvoir s'en débrouiller et son système sera bien installé. On peut aussi créer une collation à l'intérieur d'une base. On peut en plus créer une collation pour se référer à une locale particulière. Donc par exemple, si je suis dans une base en français, mais que pour une raison X ou Y, j'ai envie de créer une locale canadienne ou autre, ou n'importe quoi, japonaise, peu importe. Je vais pouvoir la créer comme ça, en lui donnant un nom qui vit dans un schéma, comme une table. Et puis je vais l'associer à une locale. En pratique, ça ne sert pas à grand-chose, parce que quand PostgreSQL s'initialise au départ, il prend toutes les locales du système, et il est créé comme des collations directement disponibles. Donc il y a assez peu d'intérêt de créer sa propre collation. Alors quand on a une collation qu'on l'a créée soi-même, mais généralement on ne la crée pas soi-même ou qu'elle soit créée par le système,
Il y a de grandes manières de s'en servir. Soit on déclare une colonne, on l'associe à cette collation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser cette colonne, elle va être triée. On va lui associer un ordre de tri qui correspond à cette collation. Et quand on va la mettre en majuscule, etc., les autres opérations, expression régulière et compagnie, on va aussi l'associer à cette collation. Mais on peut aussi mettre une clause collate directement derrière une expression texte, ce qui la qualifie en quelque sorte et qui indique quelle collation il faut utiliser pour l'opération. Si on fait par exemple ici, donc select étoile from produit order by code, produit de collate default, default c'est un cas particulier qui met la collation de la base. Donc là, si on avait attribué C dans la table, mais qu'on met default, on va retrouver la collation par défaut. ABC en minuscule inférieur à ABC en majuscule, collate C, ça dit d'utiliser un tri binaire, donc le résultat c'est faux parce que les A minuscules sont derrière, ont des codes supérieurs aux A majuscules. Et enfin, upper de été, collate C, par exemple, ça va donner été, mais avec les accents qui ne sont pas accentués. Pourquoi? Parce que la collation C ne sait pas ce que c'est que les accents, donc elle les renvoie telles quelles. Donc, à partir de PostgreSQL 10, donc ça c'était jusqu'à PostgreSQL 10, c'est toujours maintenant, hein, la plupart des clusters Postgres aujourd'hui fonctionnent avec l'IPC. C'est à peu près tout ce qu'on a sur les collations. À partir de la 10, on utilise ICU. Alors pourquoi? Bah, d'abord parce qu'il y a des choses dans l'IPC qui ont pas mal dérangé au fil des années les évolutions de Postgres. En version 9.5 notamment, il y a eu une release un peu catastrophique dans la 9.5.0. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire une optimisation qui consistait à faire ce qu'on a appelé des clés abrégées. C'est-à-dire que quand on veut trier des chaînes de caractères, donc normalement on utilise avec des tris linguistiques, on utilise une fonction strcall qui est une fonction de tri linguistique. Et il se trouve qu'on peut accélérer, donc c'est des fonctions qui sont assez lentes hein, parce qu'elles font des traitements un peu complexes. Il se trouve qu'il y a un système qui permet d'accélérer ça en générant des clés binaires qui font que quand on doit comparer deux chaînes avec des comparateurs linguistiques, mettons qu'on doit comparer deux chaînes S1 et S2, on peut générer une clé binaire de S1 et une clé binaire de S2 qu'on peut, elle, comparer avec une comparaison binaire qui est extrêmement rapide, au lieu d'utiliser la comparaison linguistique. Et comme les tris et les créations d'index, il y a des comparaisons répétées. En fait, en théorie, il y a en moyenne, quand on trie des tables de n lignes, il y a n multiplié par log à base d'n de comparaison. Eh bien, on gagne du temps. Et en fait, il se trouve que dans la libc Linux, il y a des bugs dans strcall qui font que la règle disant que le tri binaire doit donner des clés, doit donner le même résultat que le tri linguistique. Cette règle parfois est violée, ce qui fait que ça a engendré des index complètement corrompus dans la 9.5.0. Et ce bug, d'après les dernières infos qui ont circulé sur la mailing list des développeurs, n'est toujours pas réglé. Il y a un bug de Windows qui a resurfacé dernièrement sur le fait que si on compare trois chaînes, 1 et 2, 2 et 3, et que l'API Windows qu'on utilise nous dit 1 est avant 2 et 2 est avant 3, il peut aussi nous dire parfois que en fait 1 est après 3, donc ce qui est complètement incohérent. Il faut absolument que les comparaisons soient transitives, hein, qui nous mettent les chaînes dans l'ordre normal. Ça génère également des index corrompus. Donc c'est un bug qui a été réouvert pour l'anecdote. Moi je l'ai rouvert moi en fait en testant PG16 Beta 4 qui exporte plein de nouvelles locales sur Windows. Et l'anecdote dans l'anecdote, c'est que ce matin même, j'ai vu l'info sur mon mail qu'il y a un bug report qui est parti à Microsoft sur un des aspects de cette histoire. Les développeurs Postgres ne lâchent pas l'affaire sur ce truc, mais enfin aujourd'hui, le fait est que dans PostgreSQL 15, si vous utilisez certaines combinaisons bien spécifiques de chaînes de caractères, eh bien ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas donc en dehors des bugs, il y a un problème d'évolution quand on passe d'une version à l'autre, d'une version majeure de système d'exploitation. Si on regarde par exemple des chaînes extrêmement simples comme ça, on va même pas chercher des caractères complexes, des choses ajoutées récemment, des emojis, etc. On voit que sur FreeBSD 11, Debian 9 et Debian 10, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes ordres de tri avec exactement la même collation. Donc encore une fois, quand on développe sur une machine et qu'on se retrouve sur l'autre, ça fonctionne pas. Et encore pire, si on met un cluster, si on crée un cluster sur Debian 9 de, par exemple, PostgreSQL 13 ou 12, et qu'on le migre tel quel sur Debian 10,
En fait, ça produit des index qui sont complètement corrompus. Et ça, c'est arrivé une fois, notamment dans une mise à jour qui a eu lieu en 2018 et qui a continué à se propager dans les années d'après, le temps que les grandes distributions intègrent la mise à jour, et qui a gêné pas mal de gens qui pensaient qu'ils pouvaient, en fait, tant qu'ils restaient dans la même version de Postgres, passer d'un système d'exploitation à l'autre, parce que c'était pareil. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu un changement majeur d'une version à l'autre qui s'est passé exactement avec la version 2.28 de la GNU/Lipc, qui fait que ça a entraîné des corruptions d'index qui ont un petit peu énervé tout le monde. Je dois signaler là-dessus quelque chose de très récent, en fait, hein, dans la conf d'Ottawa qui a eu lieu il y a 3 semaines, je crois. AWS, enfin des intervenants pour AWS, des contributeurs Postgres en fait qui travaillent actuellement pour AWS ont indiqué une solution. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont figer en fait la partie de la Lipc qui s'occupe des collations. Donc, ils vont en fait rester dans le passé en quelque sorte, ne pas faire évoluer Unicode pour éviter ce problème. C'est une solution qui est très complexe techniquement, mais bon, c'est pourquoi pas. C'est une Eux, ils ont jugé que c'était intéressant pour eux. Il faut dire qu'ils doivent avoir une infrastructure avec, je pense, des dizaines de milliers d'instances PostgreSQL. Ils ne peuvent pas vraiment demander à leurs clients de réindexer parce qu'ils passent sur des VM supérieures. Je pense que pour eux, cette solution est plutôt pas mal. Par ailleurs, l'IPC, ça ne permet pas non plus de faire des collations insensibles à la casse ou aux accents. Donc on va voir qu'avec ICU, on peut le faire. Et un des problèmes qu'il y a eu avec les histoires de changement d'index, c'est qu'il n'y a pas vraiment de versionnage sérieux dans l'IPC. Donc c'est une des raisons pour passer à ICU. Donc à partir de la 10, arrive ICU. Il y a pas mal de différents. Donc déjà, dès le départ, au lieu d'avoir que quelques collations qui sont initialisées dans le système, on a toutes les collations que connaît ICU. Ça veut dire que donc on peut développer des applications sans avoir peur d'avoir ou pas la collation qui existe. Si on revient sur notre exemple de FR-ECA, donc on peut à nouveau s'amuser à recomparer comment ça trie. Et en fait, il se trouve que ICU, lui, il ne trie pas comme ça. Il ne va pas faire les mêmes différences. Tous les premiers termes, là, sont triés exactement pareil, entre la locale française et canadienne. Simplement, les deux derniers vont être inversés avec la règle des accents que je vous ai indiquée. Soit on les teste à partir de la fin, soit on les teste à partir du début. Et qui plus est, dans ICU, il se trouve qu'on peut paramétrer les collations, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, s'amuser à créer sa propre collation qui est basée sur les règles du Canada, mais par contre, on lui dit « cette règle-là, j'en veux pas ». Il se trouve que cette règle-là, on peut trouver dans les docs qu'elle s'appelle call backwards. Donc là, je vais créer une collation. Je précise que c'est une collation ICU. Je précise que c'est une locale canadienne. Je mets des petits termes un peu barbares là, que je ne vais pas expliquer parce que ça prendrait trop de temps, mais qui dit en gros call backwards, tu le mets à false dans les extensions Unicode. Et ce qui va se passer avec ma nouvelle collation, c'est que là, par contre, il va trier. Mes accents exactement de la même manière entre FR et CR. Plus généralement, on a pas mal de manières comme ça d'influer sur les collations. Donc ça, c'est complètement nouveau par rapport à l'IPC. On n'avait absolument pas ça. Et on va pouvoir faire des choses assez complexes. J'ai pas tout mis d'ailleurs là. Il y a des choses que je comprends pas moi-même, donc j'ai préféré pas les mettre. La liste complète est dans la doc Unicode, avec le bémol que la doc est assez complexe à interpréter. On va avoir aussi donc le versionnage, un versionnage vraiment systématique par collation, y compris celle qu'on crée soi-même, donc qui vont nous permettre de tracer dans la vie de notre cluster, de savoir si oui ou non il faut réindexer parce qu'il y a eu des changements de tri. Si, quand ça arrive, on va avoir ce type d'avertissement automatiquement généré par Postgres. Donc, qui n'est pas forcément la panacée, hein, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez utiliser, imaginons que vous passiez sur un système d'exploitation, une évolution lors d'une mise à jour, eh bien, et que immédiatement vous utilisiez les locales telles qu'elles étaient définies précédemment, Postgres va détecter que la locale telle qu'elle est enregistrée dans la base, c'est plus la même que celle du Postgres qui est en train de tourner en mémoire. Et il va prévenir comme ça. Par contre, il va absolument pas régler le problème, il va juste vous dire attention, il y a un problème. Et ensuite, c'est à vous de savoir est-ce que vous avez des objets à reconstruire, etc. ou pas.
Donc, sur les questions des débutants, laisse à penser que quand même, ce genre de message, ça les inspire pas plus que ça. Mais pour le moment, on en est là. C'est mieux que pas prévenir du tout, qui est ce qu'on avait en lipsé. On peut faire de l'introspection, évidemment, de tous ces paramètres de collation via la table PG Collation, qui a évolué par rapport aux versions précédentes avec un provider ICU, déterministique, je vais en parler juste après, la version de la locale qui est instanciée pour toutes les locales ICU. Par ailleurs, il y a un intérêt considérable à passer à ICU, j'ai parlé juste avant du bug des clés abrégées. Il se trouve qu'avec ICU, il n'y a absolument pas ce problème. Et donc, les développeurs de Postgres ont désactivé les clés abrégées pour la librairie C, mais par contre, ils l'ont activé pour ICU. Et donc, si je refais mon test de tout à l'heure avec oui, et je compare donc fr underscore fr.utf8, c'est la glibc. Et en orange, le fr-x.icu, là, ça c'est une collation ICU. On peut voir que l'export des données triées est beaucoup beaucoup plus rapide, hein, c'est quasiment 3 fois plus rapide avec ICU, et que le create index est genre 2,5 fois plus rapide. Avec ICU, c'est pas encore aussi rapide que le tri binaire, qui n'a aucune règle linguistique, mais ça s'en approche quand même. Donc, c'est quand même un élément extrêmement intéressant, ce gain de performance. Alors, ceci étant, pour pouvoir activer toutes les options d'ICU, à partir de PostgreSQL 10, on ne pouvait pas. En fait, dans PostgreSQL 10 et PostgreSQL 11, on ne pouvait pas activer toutes les options qui nous intéressent pour faire des tests insensibles à la case, c'est-à-dire aux majuscules, aux minuscules, ou insensibles aux accents, etc. Des choses un petit peu avancées. Parce que dans PostgreSQL, il y a une règle d'optimisation qui dit que si deux chaînes n'ont pas la même représentation binaire, alors elles sont forcément différentes, elles ne peuvent pas être égales. Mais en fait, au sens d'Unicode, l'égalité, ce n'est pas ça. L'égalité, c'est beaucoup plus général que ça. C'est une égalité qui s'interprète avec différents niveaux d'interprétation. Et suivant le niveau d'interprétation, A en minuscule, c'est égal à A en majuscule. C'est qu'une question d'interprétation. Donc, pour pouvoir avoir ce fonctionnement dans PostgreSQL, on a inventé des collations non déterministes qui débranchent en fait, qui débranchent cette règle et qui consiste à dire que même si les chaînes ont une représentation binaire qui n'est pas la même, on va quand même appeler le service de fournisseur de collations pour savoir si ou non elles sont égales, parce que sinon, dans une collation déterministe, on ne l'appelle carrément pas. Pour gagner du temps. Ça gagne énormément de temps, hein, ça gagne. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 3 fois plus rapide, quoi. Donc, à partir du moment où on a des collations non déterministes, donc ça veut dire qu'on va mettre déterministique égale false, on va pouvoir créer des règles un peu plus avancées. Par exemple, on va pouvoir dire, crée-moi une collation qui compare les chaînes, mais en ignorant la ponctuation. Donc ça, c'est encore une fois des invocations un petit peu câblées, des signes un peu câblistiques qui consistent à dire KA-shifted, ce qui veut dire collation alternative shifted. C'est pas trop le problème. Le résultat, c'est que ça va ignorer en fait les points, les tirets, les espaces, etc. Donc ça, on ne pouvait pas le faire non plus avec l'IPC. On va pouvoir faire, je vous ai parlé de niveau de comparaison. Donc la comparaison qui dit qu'on peut faire de l'insensibilité à la case, c'est-à-dire majuscule, minuscule, c'est le niveau 2. Donc on va pouvoir se déclarer des collations niveau 2 pour faire du case insensitive. Et on peut combiner tout ça. Donc là, par exemple, je fais une collation un petit peu qui s'appelle Matcher, qui est un petit peu plus compliquée, qui dit je veux le niveau 1 de comparaison, c'est-à-dire vraiment les lettres de base, c'est-à-dire qu'avec ou sans accent, c'est la même chose, majuscule ou minuscule, c'est la même chose. Mais en fait, j'ajoute un autre paramètre qui est KC, qui dit que je veux en fait prendre en compte la caste, donc
Les accents ne sont pas pris en compte, mais par contre, les majuscules et minuscules sont pris en compte. Et en plus, je vais ignorer les caractères de ponctuation. On peut combiner tout ça dans la même collation. J'ajoute que dans Unicode, il y a un problème qui n'est pas gérable dans PostgreSQL si on n'utilise pas ce type de collation qui sont déterministiques égales false. C'est ce qu'on appelle l'équivalence canonique, c'est-à-dire que on peut écrire les accents et de plusieurs sortes dans une chaîne Unicode. Soit on utilise directement le code de la lettre accentuée, soit on utilise le code de la lettre non accentuée, et derrière on met l'accent avec un code spécial qui dit ça, c'est quelque chose qui doit se combiner à la lettre qui précède. C'est ce qu'on appelle un diacritique combinant. Et il se trouve que PostgreSQL, avec sa règle de dire que si deux chaînes de caractères diffèrent au niveau binaire, elles ne peuvent pas être égales, eh bien, ils ne pouvaient pas faire ça. Alors, voici, je parlais d'accent, en fait, ça s'étend un petit peu plus que les accents. Voici tout un bloc, en fait, qui est constitué de caractères comme ça. Donc ces caractères, en fait, ils servent non seulement à faire des accents, mais aussi à faire des effets. On peut, par exemple, barrer les lettres. On peut les barrer comme ça, horizontalement, on peut les barrer de travers, etc. Mettre des points à gauche, à droite. Il y a bien sûr les cédilles, etc. Et donc, l'idée avec ces caractères, c'est que normalement, si on veut être conforme Unicode, il faut être capable d'accepter que quand on a un A en base, il peut être sous la forme d'une lettre A avec accent compris ou d'une lettre A sans accent suivie d'un accent. Et donc, dans cette petit exemple de requête SQL, je compare les deux, en fait. Je crée une locale sans préciser quoi que ce soit, en fait, juste FR pour français, juste non déterministique, et je compare la lettre A à proprement parler, avec le A sans accent suivi de l'accent en tant que diacritique combinant. Et donc on voit que avec une collation non déterministe, j'ai un T comme résultat, c'est-à-dire true, c'est-à-dire que c'est égal, ce qui est le résultat normal Unicode. Donc, lorsque vous avez par exemple des données qui viennent de l'extérieur, il est tout à fait possible avec des accents, il est tout à fait possible qu'il y ait des lettres accentuées qui se présentent comme ça. Et donc, si vous les comparez avec une collation, la méthode normale, PostgreSQL avec une collation normale de base, déterministe, ne saura pas trouver une égalité que normalement il devrait trouver. À noter que dans la version 13 d'Unicode, il y a une autre manière d'aborder ce problème qui est de transformer les chaînes pour les normaliser. Alors normaliser, ça veut justement dire de passer de la forme qu'on appelle composée, c'est-à-dire la plus compacte possible dans laquelle les accents sont intégrés aux lettres, à la forme décomposée dans laquelle ils sont sortis des lettres. Là, je dis accent, mais d'une manière générale, il faut encore comprendre que Unicode a étendu ça en fait à toutes les langues du monde, donc il y a plus que des accents, il y a des choses dans des langues, il y a des formes d'accent dans toutes les langues du monde qui sont tout à fait différentes de ce qu'on a en Europe. Donc à partir de Postgres 13, il y a quand même une alternative, c'est de normaliser les contenus qu'on reçoit en base pour être sûr de pouvoir les comparer plus tard avec la même norme. Les collations non déterministes donc permettent de faire pas mal de choses qu'on pouvait pas faire. Il y a quand même quelques problèmes avec. D'abord, on peut pas faire de like. Ça, j'espère qu'on va pouvoir régler ce problème dans les versions futures, mais ce sera pas le cas dans la 16, la toute dernière qui est en bêta actuellement. C'est pour des raisons un peu compliquées, parce qu'en gros, ICU, la bibliothèque, ne sait pas faire le like à proprement parler, qui est vraiment un truc SQL, en fait. Et donc, on n'est pas arrivé à exprimer la sémantique du like en termes ICU. Je pense que ce problème pourrait être réglé quand même. Les expressions régulières, c'est pour la même raison. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus, si on veut faire par exemple du casine sensitive, on ne peut pas le définir au niveau de la base. On ne peut pas dire, OK, toute ma base, toutes les comparaisons sont casine sensitives. Ça aussi, je pense que ça va être réglé un jour. Et par contre, il y a un petit problème qui est le quatrième point, c'est que les tests étant moins rapides, et vraiment moins rapides, je suis pas certain ce que ça va donner au niveau performance. On verra. La dernière évolution de Postgres pour la version qui est sortie l'année dernière, c'est que
Tout ce que je vous ai dit précédemment, jusqu'à la version 15, il fallait faire Create Collection, on ne pouvait pas faire une base, ou simplement en faisant des comparaisons sans ajouter des collates derrière, on est la locale ICU. À partir de PostgreSQL 15, on peut définir une base en disant que toutes les comparaisons vont se faire avec la locale ICU, la locale par défaut et ICU, et on peut faire la même chose au niveau de l'instance. Donc on va utiliser une invocation un petit peu différente de ce que j'ai montré au début, hein, --- local provider égale ICU, --ICU local égale fr-fr. C'est pas un underscore, cette fois-ci c'est un tiret, peu importe. C'est le français tel que pratiqué en France. Et PostgreSQL, vous voyez, va détecter tout ça et va partir sur fournisseur ICU. On pourra toujours après créer des bases libc avec create database, collation provider égale libc, etc. Et enfin, je vais conclure en disant que il y a encore plein de choses en fait qui sont à venir, je pense, dans ce sujet de Unicode plus PostgreSQL. Certains ont l'idée que Unicode, comme ça, un vieux projet, c'est complètement réglé. Il suffit de l'utiliser, comme on a pu voir au début. En fait, c'est pas le cas, hein, même sur des systèmes d'exploitation assez modernes. Il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal de bugs et de soucis. Dans la version 16, bêta 1, pour le moment, ICU est le fournisseur par défaut. Alors, je ne sais pas si ça va rester comme ça. Déjà, entre la bêta 1 et la bêta 2, il y a eu pas mal de discussions qui se sont à peine finies là, la semaine dernière, parce qu'on n'est pas satisfait de certains aspects de la manière dont c'est pas qu'il y a des bugs, hein, c'est la manière dont c'est exposé aux utilisateurs qui posent quelques inquiétudes. D'autre part, le C.UTF-8, je pense qu'on va l'intégrer mieux que ça, c'est-à-dire qu'on va l'accélérer en fait dans Postgres à l'avenir. Ce sera pas non plus le cas dans la 16. On peut pas vraiment mixer ICU et libc. Soit c'est tout ICU, soit c'est tout libc dans une base donnée. Ça, c'est peut-être pas non plus idéal. Comme je l'ai dit, les collations de non déterministes ne sont pas acceptées au niveau de la base, donc on ne peut pas dire toute ma base est insensible à la casse, alors qu'on peut le faire dans SQL Server ou MySQL, donc ça peut être des choses qu'on a envie de faire. Et enfin, il y a tout un projet assez complexe techniquement pour éviter aux gens de réindexer leur base quand ils passent d'une version d'ICU à l'autre. Je ne sais pas si... c'est un truc très compliqué. Je pense qu'on va peut-être y arriver dans quelques versions pour supprimer ce problème de quand on upgrade, on a besoin de réindexer les collations linguistiques. Je rappelle que pour les collations non linguistiques, il n'y a absolument pas besoin de les réindexer. Donc non seulement elles sont plus rapides, mais en plus elles n'ont absolument pas ce problème de nécessité d'être indexées. Et ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Daniel. Y a-t-il des questions? On a un peu de temps pour les questions. Bonjour. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour la présentation. Et ensuite, j'avais une petite question sur les collations, parce que c'est un concept que je ne connaissais pas du tout au départ. Et du coup, c'était juste pour vérifier que j'avais bien compris cette notion. Donc en fait, c'est un objet PG qui va contenir une configuration, un ensemble de règles pour tout ce qui va être tri du texte, recherche, modification peut-être. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Simplement, l'ensemble de règles, il n'est pas dans Postgres lui-même, c'est en fait le nom de la locale qui est en fait un pointeur qui va être interprété par le fournisseur de collation. D'accord. Donc l'objet PG, c'est une sorte de proxy vers le fournisseur de collation. Mais sinon, ouais, c'est un objet qui stocke des caractéristiques. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci pour cette présentation. Je ne sais pas si on m'entend là. Une présentation un peu ardue du sujet. J'ai deux, trois questions. Je vais essayer d'être très court. Par rapport à la norme SQL, ces histoires de collation telles que c'est implémenté dans Postgres, c'est spécifique à Postgres ou c'est... Non, Collate, c'est le standard SQL. Ouais. Et d'ailleurs, une des motivations de faire les collations quasi insensitives, c'est parce que c'est le standard. D'accord. T'es passé très vite sur la fonction normalize. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications. Oui, c'est le problème de la mettre à la fin de l'exposé, c'est que je vois que le temps tourne. D'accord. Est-ce qu'on peut comprendre que ça supprime un certain nombre de...
de diacritiques pour pouvoir faire des égalisations. Des Exactement, ça les supprime, mais en fait, ça les intègre à la lettre d'avant, donc il n'y a pas de perte d'information. D'accord. Je vais avoir un A non accentué suivi d'un accent, ça c'est la forme décomposée, et si je lui demande de la normaliser en forme composée, il va trouver, il va identifier le fait qu'il existe dans Unicode un A avec accent, et il va prendre l'accent, il va dire ok, je change la lettre, je la remplace, et donc on va avoir un code point au lieu de deux, et inversement si on décompose. L'un des intérêts de la dénormalisation en décomposé, c'est justement de supprimer les accents. En fait, on décompose tout, et ensuite on fait une deuxième passe sur la chaîne, et on supprime tous les diacritiques, et donc ça supprime les accents en fait. D'accord. Donc tu conseilles de faire des index fonctionnels qui appliquent ça pour pouvoir faire des tests après directement plutôt que de l'appliquer dynamiquement? Moi, ouais, mon idée, en fait, c'est pas de faire ce genre de conseil systématique, c'est d'exposer les options qu'on a. Et après, c'est difficile pour moi de dire utiliser les collations, non déterministes plutôt que autre chose, parce que sur les performances, il y a un vrai impact. Hein, donc, faut pas y aller les yeux fermés. Il faut bien savoir si c'est quelque chose qui est isolé dans l'application ou si c'est systématique. Si c'est pour des volumes énormes de données ou si c'est des petits volumes, ça va changer en fait le résultat. Encore plein de questions, mais je pense que je t'interrogerai directement. Bien sûr, on pourra en parler. Juste la cerise sur le gâteau. T'as montré des exemples essentiellement basés sur des variations sur des caractères latins. Ouais. Tout ça s'applique aussi sur des caractères dans d'autres jeux. Exactement, ouais. Cyrillique, arabe et tout. Ouais, c'est l'idée d'Unicode. C'est que ce qu'on a dit, en fait, ça s'étend en fait à tout quand ça s'applique. C'est-à-dire, il y a des langues qui n'ont aucun accent et il y a des langues, au contraire, qui ont des accents complètement différents des accents qu'on a en Europe de l'Ouest. L'un des problèmes d'Unicode, c'est que personne au monde ne connaît toutes ces langues. Moi, je ne suis absolument pas linguiste, je ne suis absolument pas. Je suis absolument pas spécialiste de ça. Et pour être très honnête, il y a pas mal de docs Unicode que je lis et je comprends un cinquième à tout casser, quoi. C'est pas du tout évident, mais l'idée, ouais, c'est que tout ça s'applique à toutes les langues du monde. Ouais. D'accord, bon, on en reparlera. Si tu veux bien. Encore une dernière petite question juste derrière. Merci pour la présentation. Dans le projet où je travaille, on migre des données qui viennent d'un vieux mainframe français. Et on a des problèmes de jeu de caractères très, très particuliers. Ma question est un peu naïve. Est-ce que à partir d'une table de caractères du style table de caractères ASCII, on peut reconstruire facilement un ICU qui on va pouvoir ensuite intégrer. Est-ce que c'est de l'EBCDIC, le jeu de caractères? C'est une variante de EBCDIC. Oui. Moi, je suis vieux, mais c'est encore plus vieux que moi, quoi. Donc, oui, je confirme. Franchement, je connais pas EBCDIC, j'ai jamais utilisé dans mon activité. On n'était pas nés. Et voilà. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, pas informaticien. Non. À cette époque-là. Et sur EBCDIC, juste une anecdote, en fait, ICU est en train de vouloir... En fait, ICU gère EBCDIC, mais pas du tout Postgres. EBCDIC, ça marche absolument pas dans Postgres. ICU est en train de vouloir supprimer EBCDIC et ne plus le gérer. Et il y a quelques mois, je crois, a fait une sorte d'appel sur la mailing list en disant « Y a-t-il encore des gens qui utilisent EBCDIC parce qu'on voudrait bien le dégager ?» Il y a des gens qui ont dit « Oui, oui, nous ». Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, relativement à Postgres, le problème, c'est qu'ils ne l'utilisent pas. Donc effectivement, il faut, si c'est dans le cadre d'une migration vers Postgres, il faut un vrai chantier avec une conversion vers ASCII ou UTF-8, ou je ne sais pas, il faut étudier le truc. Mais EBCDIC plus Postgres, c'est vraiment pas jouable. À ce moment-là? Ah, il faut convertir, oui. Parce qu'on a essayé de convertir et ça pose trop de problèmes. Oui, je conçois que c'est tout à fait complexe. Ouais. Ok. Je voulais savoir s'il était possible de passer d'une base de données existante libc vers ICU et s'il y avait une méthode pour le faire.
Alors, la méthode simple, c'est un dump reload, hein, PG dump, PG reload. Ça marche dans absolument tous les cas, en fait. Ensuite, si on veut faire plus subtil, c'est vraiment très compliqué. Ouais, je suis pas sûr que ce soit possible. Mais PG dump, PG reload, ça pose des problèmes que pour des bases énormes où éventuellement c'est pas possible, où les temps d'arrêt sont trop faibles. Là, il faut étudier un scénario de migration avec peut-être un réplica logique, par exemple. En réplica logique, il n'y a pas de problème, ça, c'est possible. C'est plus complexe, quoi. C'est un vrai mini projet à étudier, quoi. Je crois qu'on a eu pas mal de questions, donc merci pour vos questions.